Hey, salut mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode de visite des maisons pour mon Ugly to Beauty Legacy Challenge. On a vu tout ce monde ici, on s'était arrêté à Bay Samsara. On va continuer avec Marilyn, Marilou, tout de suite avec Ugly Palace. Attention, ça rigole pas. La maison vaut 96 254. Ah, toi, tu as eu du budget en rab. Il y en a. Bah écoute, j'ai hâte de voir ce que ça donne. On a 6 chambres et 5 salles de bain. On est parti pour l'installer. Et voilà la maison donc de Marilyn Marilou dans son ensemble et son extérieur. Ouh, un joli petit balcon, tout ça. Ah, tu m'as mis la lessive aussi. Ah bon, allez, on va tout de suite visiter. C'est à l'ombre de ce magnifique arbre que nous allons commencer la visite avec à l'extérieur une petite table et ses chaises pour manger. On a déjà droit à la piscine de compète. Aïe, 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 ça me donne envie d'aller dedans. Et très bel extérieur. Déjà, ça commence bien. On a un très joli extérieur, très moderne, avec la petite terrasse et le toit en verre. Allez, c'est parti, on va rentrer immédiatement. Alors, nous avons le porte-manteau, les parapluies. Ah, c'est mignon. C'est quand même, il y a de l'espace. C'est vaste et c'est... Et c'est, comment dire, c'est catégorisé, quoi. On a bien ce qu'il faut là où il faut. Grande cuisine, avec ce magnifique carrelage de vampire. Très joli, bleu et gris. Il n'y a pas... Moi, des fois, je veux dire, avec vos constructions, elles sont tellement jolies. Eh, mais attends, t'as mis des fenêtres comme ça? Mais c'est génial! Ça a fait rentrer de la lumière sans que les meubles haut cachent, en fait. C'est génial. J'adore l'idée. Alors, on est très dans l'ambiance bleue, hein. Parce qu'ici, on est à la salle à manger avec un joli tapis. Je pense que c'est un tapis que t'as agrandi, ça. Et l'espace salon, plus gris-beige, avec cette superbe table basse. Il n'y a rien à dire. Magnifique, très joli. Et on va commencer à visiter les petites portes mystères. Première porte à gauche quand on entre. Poum! Ah! C'est la petite pouponnière, les petits bébés, les petits bambins. Avec, il y a aussi la petite chouette et tout ça. Ah bah super! Non, mais écoute, parfait, je n'ai rien à dire. Ensuite, on passe à la deuxième porte. Oh, la suite parentale! Ouh là là! Luxueux! Hein? On est dans les gris blancs et dorés. Avec les sublimes reflets du papier peint, du kit vintage, la table de chevet et aussi le lit. T'as tout très bien accordé. On a un espace ordinateur avec une petite étagère et tout ça. On a trois beaux miroirs pour s'admirer le matin. Et la petite salle d'eau attenante avec la douche. Ah ouais, super. J'aime bien que tu aies mis en noir. C'est vrai que ça ressort vachement bien en noir. Moi aussi, je commence à mettre des éléments de salle de bain noir dans mes maisons et je trouve ça très joli. Ah, le panier à linge. Non, ça va virer direct, hein, je vous le dis. C'est pas méchant, mais ça va virer. Je ne veux pas de faire le linge dans mes maisons. C'est plus possible. Et on va attaquer la dernière porte. Pam. Ah, ôtez-moi ces horreurs de ma vie. Donc on est sur une... sur des toilettes tout simplement. Toilette buanderie. Ah, ça rend quand même super bien. Mais non, je ferai pas la lessive. Non, je ferai pas la lessive dans ce let's play. No way. Vous êtes adorable, hein, mais je ne le ferai pas la lessive dans ce let's play. Alors, je pense qu'on a déjà fait le tour du bas. On va monter tout de suite. Alors, on arrive sur le palier, pardon. On a... C'est super cute, ça. Ça vient d'où, ces trucs-là, ces bougies? Ah, ça doit être le truc patio, comme ça. On a de la petite déco. On a une grande bibliothèque. Ah, c'est deux bibliothèques que t'as collées. Ça marche super bien. Et on a 1, 2, 3 portes. 4 portes. Je dis n'importe quoi. Allez, on commence par celle-ci. Ah, une chambre plutôt féminine. Ah, beaucoup de déco, hein. Comme quoi c'était possible de mettre là beaucoup de déco. J'aime bien. Par contre, ils ont collé les trucs sur la fenêtre. Ah, je pense que la fenêtre, elle est coupée en deux, non? Parce que t'as mis la salle de bain ici. Ok, très bien. Ah, franchement, super. Par contre,
autre. Non, c'est bon, c'est le lavabo. Je croyais que c'était. Panier à linge, panier de l'horreur. Parce que je pense qu'ils auront de la place pour passer, mais. En tout cas, elle est très jolie. Je valide. Deuxième porte de palier. Oh, wow! Voilà. En plus, bon, elle c'est un peu bas, hein. Bon, on se le prend dans la gueule. Mais j'adore ces lampes. J'adore ces lampes, le lit des saisons. Ah, double miroir. Ah, t'as foutu une ampoule et tout. Très jolie ambiance rose douce. Avec toujours une salle d'eau attenante et les paniers à linge de l'enfer. Vraiment très joli. On va aller du coup sur le petit balcon que je vois qu'il y a. Oh oui! Ah, c'est cute! Ah ouais! On s'assoit là, on a une vue splendide! Oh, ah ouais, je vois que cette chambre-là sera pour peut-être l'héritière si c'est une fille-fille. Ah franchement, magnifique travail! Très joli! Troisième porte du palier. Encore une chambre double. Alors là, on est plus dans le vert, plus neutre. C'est très joli. Elle est un petit peu plus petite. Et on a la salle d'eau attenante. Ah oui, avec les trucs de baseball. Donc c'est plus pour garçons. Le panier de l'enfer. Mais vraiment très joli. Ah ouais, j'aime beaucoup aussi. Et on accède à la dernière porte du palier. Ah, voilà, ça c'est la chambre plutôt garçon-enfant. Très bien. Bah écoute, avec les trucs de skate, les machins, ça se plus ambiancé garçon. Pareil, ils ont mis aussi des posters sur les vitres. C'est un peu des sales gosses. Ils ont l'atelier de chimie, ils ont tout ce qu'il faut. Oh, le panier de l'enfer. Et encore une salle d'eau attenante. Oh, mais trop bien, mais t'as trop bien bossé. Franchement, je suis soufflée. Alors, je pense que au niveau du palier, il nous reste que ici à aller visiter. Oh là 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 là. C'est super beau! Ah, toi aussi, tu fais les plantes dans les trucs comme ça. Mais attends. Quoique, non, celle-là, attends, je la connais pas, si. C'est quoi ce pot? Je l'ai jamais vu, ce pot. Ah! J'ai des trucs encore à découvrir, moi, dans ce jeu, c'est pas possible. Un superbe petit coin nature, tout ça. Là, on a vu sur les montagnes. Sur les montagnes, vite fait, hein, sur les montagnes. Et on peut se reposer, boire son thé, boire un coup, tout ça. Et c'est magnifique. Je pense qu'on a fait le tour de l'étage. Je vais donc aller maintenant à l'extérieur. Et donc, depuis le séjour, on passe la porte coulissante et on arrive sur une petite terrasse. Ah ouais, là, on rejoint le devant de la maison. Et ici, on va rejoindre le jacuzzi. Ah, avec le petit salon à côté, tranquillement, pour se remettre de ses escapades dans le jacuzzi. Bah écoute, c'est super. Et t'as aussi mis un petit je vais dire balançoire. Oui, balançoire ici, mais petit toboggan pour les bambins. Et bien sûr, hein, le fameux truc pour faire son linge. Ah non, ça va pas être possible. Non, ça va pas être possible. Et quelques endroits pour faire pousser des plantes. Et on rejoint la maison sur le devant. Mais écoute, c'était topissime. Merci. C'était donc la maison de Marilyn Marilou. On passe tout de suite à la suite. On passe à la maison de Dina Halls. Et la maison fait 109 996 simfous. Ah bah dis donc, à 4 simfous près, tu restes pile dans le budget. C'est parfait. Idéal pour une grande famille, le paquebot abrite de nombreuses pièces. Ok, on peut même rejouer la scène du Titanic sur le pont. Allez, super. Je te remercie beaucoup, Dina, d'avoir fait cette maison. En plus, c'est vrai que tu l'as vu là, vraiment en dernière semaine. Donc, je pense que tu as mis le paquet. Alors, la maison a 6 chambres et 6 salles de bain. On va voir ça tout de suite. Voici donc la maison de Dina Halls. Avec, on voit déjà la petite verrière, la petite piscine toute mignonne. Et on va tout de suite rentrer. Je pense que ça, c'est l'entrée. De toute façon, oui, je me fie avec la boîte aux lettres. Donc, on va y aller tout de suite. Et voilà l'entrée de la maison. Donc, la micro-piscine, mais piscine quand même. Hein, voilà, qui demande qu'elle est agrandie après par la suite. Un joli palmier pour nous accueillir. On a aussi déjà
Le petit toboggan pour les bambins, une jolie plante du pack jungle, et on va rentrer tout de suite. Allez, go, go, go. Donc, on a une petite piscine pour bambins, on est bien à l'abri ici, on est dans une serre. Oh, mais tu m'as refait une piscine intérieure! Mais quelle est classe! Waouh, avec le banc et tout. Non, franchement, là, je m'attendais, enfin, j'avais pas fait attention que. Qu'on avait une piscine à l'intérieur, c'est très classe. Ensuite, on passe à l'entrée en dur, hein, vraiment abritée par un vrai toit. Ah non, il y avait une porte d'entrée ici, je l'ai même pas vue. Oh, je suis désolée. Quoi que c'est, est-ce que c'est une porte d'entrée? Non, c'est une porte de toilette. Mais c'est pas une porte d'entrée ça? Si, pour moi c'est une porte d'entrée. Enfin bon, t'as fait une porte d'entrée de toilette où on peut voir s'il y a quelqu'un qui est déjà dedans. Au moins c'est pratique. Voilà, il n'y a pas de surprise. Ils savent déjà s'il y a quelqu'un. Donc on a une entrée avec un canapé, un arbre, une bibliothèque, une salle de base et puis là où pour mettre nos vêtements. On a ici oh, une toute petite cuisine trop mignonne. Elle est trop cute. Alors vraiment, il y a pas grand-chose, mais il y a tout l'essentiel. Et en plus, on a la table pour manger avec toutes les chaises différentes et la table, le truc pour bambin. Écoute, c'est trop mignon. Ah, je suis curieuse. Faut que je passe ici. Ici, on est en côté salon, très joli avec le nouveau papier peint type Caraïbes, la nouvelle table aussi. Elle a du succès cette table-là. En même temps, elle est magnifique, hein. Avec les canapés dans les mêmes tons que le papier peint, tout ça, vraiment très joli. La cheminée, la télé, les pots, on a des vues, la vue partout. Il y a des portes ici un peu partout, hein. Alors là, on arrive dans la cuisine. Ici, on arrive où? Cette porte fumée. Oh, on arrive à la bambinoucherie. C'est-à-dire que voilà, on est dans le coin pampin. Oh, ils ont chacun leur cube, chacun leur petit coussin pour regarder la télé. C'est trop mignon. Ici, on a la petite salle d'eau attenante avec le petit toilette et la baignoire douche pour les laver. Ça, c'est cute. Ici, on accède à une autre. Oh, t'as fait le côté fille, côté garçon? Mignon. Mais si! Oh, c'est trop mignon. Puis j'ai même vu le petit PQ en bas comme ça. Ah, oh, c'est trop chou. Depuis le salon, donc on va aller directement porte coulissante ici. Ah oui, ça c'est la chambre parentale. Ah ouais. Avec le coin bureau. Ah, t'as mis une bibliothèque par-dessus comme ça. Ah, c'est très sympa. C'est très rigolo. On a le double lit. Un double lit, oui, lit double quoi, j'ai envie de dire. Ah! La pouponnière comme ça! Mais oui, avec le de quoi les laver, tout ça. Ah, c'est super mignon! Très belles idées, Idina, vraiment, hein, franchement. Et là, on arrive à la salle d'eau attenante, double vasque. Les petits machins. Mais donc, c'est toi qui les as mis, en fait, je crois. Très bien pensé, la douche, le toilette. Et j'ai encore vu une porte. C'est un peu un labyrinthe, hein, ici. La porte ici, elle donne sur. Ah! C'est dessous de l'escalier! C'est un dressing sous l'escalier. Oh, génial! J'adore l'idée. J'adore l'idée. Et je pense qu'on a peut-être fait le tour du rez-de-chaussée, il me semble. Je vais aller voir. Je vais retourner voir là-bas. Non, il y a encore une porte. Attendez. Je suis confuse. C'est vrai que comme je regarde pas du tout le plan d'ensemble, je sais vraiment au fur et à mesure que je découvre. Ici, ça doit être l'escalier. Yes, ça va. Je me suis pas trompée, j'étais sûre que c'était ça. Allez, on va monter. On arrive donc en haut de l'escalier et on a. Pourquoi vous me détestez autant? Pourquoi vous me détestez? Avec le buanderie. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Six portes. Ouh, bah, allons-y tout de suite, hein. Ou alors, petite chambre simple, très rose pour les filles, pour une fille plutôt, on va dire, avec même le journal intime qui l'attend et le panier de l'angoisse. Bah, écoute, simple mais fonctionnel, c'est top. On va passer à la deuxième, je pense qu'ici, voilà, c'est une salle de bain. Alors ça, c'est une salle de bain plutôt pour garçons, puisque c'est plus bleu. Enfin bon, après, bleu, rose, tout le monde a le droit de prendre les couleurs qu'il a envie. Donc j'imagine qu'ici, c'est encore une salle de bain.
Oui, deux fois la même, et ben c'est parfait. Ici, ça doit être une chambre. Ah, oui, une chambre plutôt masculine avec le panier. Le panier, le bureau. J'aime bien l'agencement du bureau comme ça. Ah, avec le petit. Non, c'est le truc qui est déjà fait de base. Je dis des bêtises. Avec au bout du lit comme ça, et puis après, il y a beaucoup de place pour le reste. Eh, mais il y a un balcon ici. Ah oui! On peut faire pas mal de choses ici. Ah, attendons, on va pas tomber non plus. On peut faire pas mal de choses. C'est à creuser comme idée. Allez, on continue la visite. On va rentrer ici. Ah, chambre double cette fois. Chambre double. Eh ben écoute, ah, c'est... Oula, ça. Ah, sûrement. Oh, un truc du poignet. Je ne veux pas voir ça. Avec... Coucou, la jolie vue. Ah, et là, ici, ils ont un extérieur. Ah, ouais. Ah oui, c'est peut-être ici que je mettrai le petit jacuzzi. Non, mais attends, j'ai loupé un truc. Là, on a le chevalet et on rentre ici. Ah bah oui, bah d'accord, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour parce que c'était par là qu'on sortait. D'accord, très bien. Eh bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la maison. Je finis par l'extérieur, au côté de la maison, où on a un petit arbre à pipi, des coins plantation, le coin pour faire des compositions florales, et le barbecue, pique-nique, et aussi avec la poubelle, ça c'est bien, et la petite piscine d'extérieur. Écoute, c'était super. Et c'était donc la maison de Dina Halls. On passe à la suite. La prochaine maison, c'est celle de Malou 5781. La valeur de la maison, c'est 112 497. Donc c'est vrai que c'est un petit peu au-dessus, mais je pense que ça la passe largement. C'était histoire que ma famille elle ait quand même des sous de côté pour payer les factures qui vont tomber et compagnie, quoi. Alors, tout n'est pas respecté car j'ai vu un peu grand. À placer que le bébé ou object. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai retenu la leçon après avoir fait sauter des trucs. Donc maintenant, on va l'installer tout de suite. Donc voici la maison de Malou 5781. Effectivement, elle a l'air grande. Et au moins, on a un très grand jardin. En même temps, c'est vrai que c'est un grand terrain. Donc, allez, on est parti pour la visite. On commence donc de l'extérieur où on voit le petit portail. On a déjà une très très belle, très très beau balcon là avec des petites fougères comme j'aime. On a les petites fleurs. Oh, on a un garage! Ouais, pas bête! Allez, on rentre tout de suite. Alors, on a une entrée. Attends, je suis peut-être un peu haute. On a l'entrée avec les parapluies, de quoi poser les vêtements. Un petit lama qui nous accueille. Et le petit tapis, parfait. Alors, effectivement, c'est très grand. C'est spacieux plutôt. Et c'est très joli. Alors, on a une porte ici et on a déjà plein d'autres portes. On va déjà commencer à visiter par le coin, la petite bibliothèque, le coin salon. Ouh, c'est très joli, hein. Très joli dans les tons vert et bleu. J'aime beaucoup. Donc là, on a la télé. Là, on a une superbe cheminée. J'adore ces rideaux. J'adore ces coloris de rideaux. On a aussi un chevalet pour peindre, l'espace salle à manger. Là, on a de quoi faire. Hein. La famille Ugly, c'est vrai qu'elle commence à devenir grande. Ah, et la cuisine qui est plus rouge et noire. Ouais, ça change quoi. Ça fait complètement coloré avec le côté noir bleu, noir bleu, vert bleu d'ici. Ici, on passe au noir rouge. Ça change beaucoup. Eh, mais il y a une petite porte ici. Qui, à mon avis, la porte, elle va vers l'extérieur. Bon, on va commencer à visiter les portes qui sont à l'entrée. On commence par cette porte qui est tout de suite à la gauche. Et on est... Ah! Toi, tu m'as fait un bureau exprès! Et c'est pas bête, ça, comme ça, pour se concentrer, pour écrire ou faire ses devoirs. Nickel. Super, je m'y attendais pas. Mais très bonne idée. Ensuite, on va passer à cette petite porte mystère ici. Oh! Je m'attendais pas à ce que ce soit la chambre parentale, comme ça, hyper spacieuse. Dans les tons bleu, vert, très joli, avec un petit dressing. Waouh, magnifique, hein? Très joli. Et ici, on a un petit renfoncement pour la douche et baignoire. Eh bien, c'est très joli, c'est très bien pensé. Je suis fan du dressing. Hein? Comme quoi. Ensuite, on va passer à cette porte-là. Boum! Et c'est le petit toilette séparé. Nickel!
Ah, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et là, ensuite, il me reste que cette porte-là. Ouh, j'ai la porte, petit bambin. C'est l'espace bambin. Voilà. C'est ici que nos monstres vont venir dormir. Et ben, ils ont toute la déco qu'il faut. C'est très mignon. Je valide complètement. On passe tout de suite à l'étage qui nous accueille. Sur le palier, on a une porte mystère, deux, trois, quatre portes mystères, cinq portes mystères avec un petit truc de chimie là-bas tout au fond. Et on va commencer tout de suite par cette porte-là. Poum. Oh, très jolie. Une chambre double, hein, un peu classico, romantico, coloré, avec une très belle armoire. Ah ouais, celle-là, je crois que je ne l'ai jamais utilisée. Je l'aime beaucoup, elle est très jolie. Les deux petites tables très colorées, tout ça. Non, très mignonne. Je pense qu'ici, c'est la salle d'eau attenante. Oui, je valide. Très jolie. Toujours un étang rose. Donc forcément, c'est pour une fille, une jeune fille, une héritière. Qui sait? On ne sait pas. Peut-être. On va passer directement en face. Hein. On va pas se commencer à se chipoter. Ah, ici, c'est plus enfant, garçon. Fille, oui, ça peut le faire aussi avec des voitures, la grenouille, les machins, truc mûche. Le bureau pour travailler. Super. Allez, on passe à la suite. Troisième porte du palier. Ah, oh, dis donc, mais c'est le luxe ici. Une jolie salle d'eau très grande avec espace toilette et se laver les mains. Et on a un superbe peignoir d'angle et la douche. Franchement, très joli, très classe. Les gosses, ils vont pas se plaindre là comme ça, hein. Ça c'est clair. Hein. Ils n'ont pas intérêt à se plaindre de toute façon parce que vu les maisons que vous nous faites, là, il n'y a rien à dire. Hein. Quatrième porte à passer. Ouh! Ouh, 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 ouh. On est chez une princesse. Voilà, ça c'est la chambre d'une princesse qui rêve de son prince charmant. Hey, mais j'avais jamais fait gaffe à quel point elle était superbe cute, la maison de poupée. Vous avez déjà regardé, vous aussi près? Ah, on s'y croirait. Regardez, là je vous fais la visite de la maison de poupée version comme si on y était quoi. Elle est très mignonne. Ah, regardez, super les détails. Attendez, hop hop, comme ça. C'est très mignon. Bon bref, on n'est pas là pour regarder la maison de poupée. Ah, ça c'est le côté. Ok. En tout cas, très jolie chambre. Ah, il y a un petit peu les rideaux qui sont rentrés l'un dans l'autre, mais bon, on va rien dire. Il y a des petits minous partout et on a un violoncelle ou un violon rose. Je valide aussi. Et on va passer à la dernière porte. Et on va passer à la dernière porte de l'étage. Ah, vraiment une chambre plus cette fois-ci ado-garçon. Et bien comme ça, ils auront le choix. Les premiers, les ados, on aura une fille et un garçon, ils auront de quoi. Bref, je dis de la merde, mais tout va bien. Salle de bain, du coup, attenante, très jolie aussi. Bleu, pas très bien. Écoute, j'ai rien à dire. Je pense qu'on a fait le tour pour l'étage. Depuis le séjour, on va passer à l'extérieur de la maison avec un très grand jardin. Ah, il y a de quoi faire, hein. C'est vrai que là, on peut faire la piscine, on peut faire tout ce qu'on veut et on a les balançoires. Voilà. J'étais en train de me dire, j'ai pas fait la superbe terrasse avec les fougères par-dessus, mais en fait, tu n'as pas fait d'accès pour y aller. Donc, je sais pas comment. C'est dommage, il faudrait que je rajoute une porte quelque part. Peut-être par ici. Ah ouais, mais là, on arrive sur la chambre. Donc, mais tu n'as pas fait d'accès, en fait. Donc, c'est un petit peu dommage. Ils pourront pas profiter de la superbe terrasse. Mais ça, c'est pas très très grave. Ça peut s'améliorer. Et voilà pour les visites du jour. C'était donc les maisons. J'ai oublié. Non, Marilyn, Marilou, Dina Halls et Malou 5781. Merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas si à une maison vous a plu pour la télécharger sur les galeries. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour la dernière partie des visites de la maison des Ugly. Allez, je vous embrasse. Salut.